11 conseils pour éviter les obstacles les plus communs dans le marketing d'affiliation. Cela signifie que vous devez tenter de découvrir certaines nouvelles techniques pour vendre vos produits. Cette vidéo détaille quelques-unes des principales similitudes dans les techniques utilisées par la majorité des entreprises. Premièrement, les adhérents au marketing d'affiliation ne devraient jamais être satisfaits de la quantité d'argent qu'ils génèrent. Il y aura toujours des façons d'augmenter votre succès. Démarrez un nouveau blog ou un site web qui vous permettra de générer plus d'argent. L'objectif principal est de continuer à faire du chiffre. Deuxièmement, il est nécessaire d'établir une atmosphère de confiance avec ses lecteurs. Vos lecteurs, une fois fidélisés, seront plus enclins à faire confiance aux conseils que vous leur donnez et seront par conséquent beaucoup plus susceptibles de cliquer sur vos liens. Troisièmement, la pertinence est la clé pour bâtir le succès avec le marketing d'affiliation. Quatrièmement, assurez-vous de toujours savoir ce que vos affiliés ont à offrir à vos clients. De nouveaux outils sont constamment mis en œuvre pour améliorer l'utilisation de vos programmes d'affiliation et rendre les annonces plus attrayantes pour les lecteurs. Cinquièmement, ne faites pas l'erreur d'ajouter une entreprise à votre liste d'affiliés simplement parce que c'est l'un des principaux sites d'affiliés de l'industrie. Vous devez impérativement vous renseigner avant de décider si oui ou non l'ajouter à votre portefeuille est bénéfique pour vous. Vous devez être sûr que vous pouvez commercialiser le produit ou les services en question sans aucun problème. Sixièmement, il est de plus en plus rare que les programmes d'affiliation payent des commissions à vie. Si vous en trouvez un, vous pouvez faire une énorme quantité d'argent à partir de ce dernier. Tâchez donc de garder vos yeux ouverts afin d'en dénicher quelques-uns. Comment ça marche? Les fournisseurs affiliés payent au webmaster une commission sur les produits vendus aux clients. Mais l'inconvénient est que la commission ne sera réglée que si le client achète dans un délai prédéterminé. C'est pourquoi le premier genre de programme mérite d'être recherché. Septièmement, certains sites affiliés sont meilleurs que d'autres. Certains ne sont pas très ergonomiques ou simplement pas assez conviviaux. Un site affilié mal conçu et ennuyeux ne saura pas attirer les visiteurs. Pas de visiteurs, pas de clients. Cependant, un bon webmaster sait trouver des façons pour rendre son site rentable. Ces services ne sont pas seulement appréciés par les visiteurs, ils améliorent également la réputation du webmaster et encouragent les visiteurs à devenir des clients. Huitièmement, ne choisissez que des affiliés rentables. Vous devriez surveiller constamment à la qualité de vos affiliés. Lorsque vous supprimez de votre liste vos affiliés les moins rentables, vous serez en mesure de dégager le terrain pour plus d'annonceurs qui peuvent vous aider à faire plus d'argent. Neuvièmement, pour bien choisir vos affiliés, vous devez bien connaître votre niche. Si vous vendez des chaussures, proposer des annonces pour du détergent n'aura pas beaucoup de sens. Les visiteurs de votre site web sont venus avec l'intention de satisfaire un besoin particulier. Gardez donc votre public cible à l'esprit lors du choix des annonces. Dixièmement, vous devez éviter le plus possible de dépendre de vos partenaires affiliés pour garder votre campagne de marketing d'affiliation à flot. Essayez d'offrir une variété de produits et de travailler avec un certain nombre de fournisseurs différents. Plus votre audience est large, plus il vous sera facile de larguer une mauvaise société affiliée. Vos pertes seront alors plus petites et plus contenues. Si vous pensez être en mesure de gérer plus de publicité que ce que vous avez actuellement, trouvez plus d'annonceurs. Onzièmement, restez à jour sur les tendances de votre industrie et de votre marché. Si vous êtes en retard et si vous ne pratiquez pas de veille technologique, il y a une forte chance pour que vos concurrents vous sèment. Ainsi, pour que votre programme de marketing d'affiliation fonctionne comme vous le voulez, il est essentiel de garder un œil sur les tendances. Des méthodes comme celles qui viennent d'être exposées dans cette vidéo sont censées vous aider à attirer plus de clients. Il est de votre ressort de les personnaliser pour les adapter à votre optique commerciale. Les résultats parleront d'eux-mêmes.